des montagnes russes, plus vraies que nature. On pourrait presque ressentir la vitesse. Attends, j'enlève, Nous sommes pourtant bien sur la terre ferme, dans la MJC de Mgombani. Et pour vivre cette expérience unique, il faut enfiler ces drôles de lunettes de réalité virtuelle. La réalité virtuelle, en fait, c'est un concept, c'est un monde créé virtuellement par ordinateur. C'est des mondes créés par synthèse, en fait, par l'ordinateur. Et le but, c'est d'immerger une personne dans un milieu plus ou moins réaliste et pouvoir profiter de certaines expériences, de pouvoir voyager tout en étant sur place. Et vous avez un casque, un ordinateur, et ensuite après, vous pouvez avoir des manettes pour interagir dans le milieu proposé. En fait. Coûteux, les appareils de réalité virtuelle sont peu répandus à Mayotte. C'est pourquoi Karim Abderrahman a créé ses ateliers de découverte ici dans la MJC, ouverts à tous. J'ai pensé à ça, c'est essayer d'apporter un peu plus de divertissement, de variété dans le divertissement des jeunes. Et c'est aussi qu'ils puissent découvrir cette technologie et apprendre autrement aussi. Parce que dans la réalité virtuelle, vous ne faites pas que jouer. Vous avez la possibilité aussi d'apprendre des choses. Vous pouvez visiter des musées, aller dans l'espace. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Tout juste ouverte, cette salle de réalité virtuelle propose déjà un catalogue de programmes variés. Voilà, il y a la plongée, vous pouvez faire des sorties dans l'espace, contempler la Terre et les autres planètes, vous pouvez visiter le château de Versailles, vous pouvez visiter la ville de Rome. Voilà, il y a plein de possibilités qui existent actuellement. Mise en place pour une durée de 6 mois, les ateliers sont ouverts tous les mercredis et vendredis après-midi. L'entrée est gratuite pour les premiers jours, elle sera ensuite fixée à 5 euros par personne.